Alors bonjour à toutes, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pendant ma marche quotidienne et je me représente pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Rachel, je suis sophrologue et j'aide les femmes à se libérer de leur peur et de leur culpabilité pour qu'elles deviennent enfin actrices de leur vie. Aujourd'hui pendant ma marche, je vais vous parler de la marche pour toutes celles qui sentent en ce moment bloquées, qui n'arrivent pas à prendre des décisions dans leur boulot, dans leur vie de couple, dans leur vie familiale, qui n'ont pas d'énergie, pas d'entrain. Je vous conseille vraiment de faire un truc hyper simple, c'est d'aller marcher tous les jours pendant une heure. Pourquoi ? La première chose, c'est que ça va vraiment vous aider à vous mettre en mouvement, à vous mettre en action. Ça va vous mettre en action physiquement. Vous allez recommencer à faire des pas et à avancer symboliquement. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va bien agir sur votre mental. La deuxième chose, c'est grâce à ça, vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qui se passe dans votre vie, en vous éloignant un petit peu de chez vous, en sortant de votre quotidien. Et la dernière chose, c'est que ça va vraiment, vous allez voir, éclaircir vos idées, parce que ça va vous aider à vous reconnecter vraiment à vous-même, à ce que vous êtes vous, à ce que vous voulez vous, au fond de vous. Ça va vous aider à prendre des décisions. C'est des choses qui sont toutes simples. J'aurais beau vous l'expliquer, vous en parler, et vous parler de ce que ça provoque chez moi, je vous conseille vraiment de tester, d'expérimenter, de le faire, de vous mettre un petit peu des coups de pied aux fesses. Et je sais que sur ma page, il y a des femmes qui sont abonnées et qui marchent régulièrement. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis pendant la marche et ce que ça vous procure, parce que ça permettra de booster les autres et de les aider également. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très vite sur ma page ou dans la vraie vie. Voilà, au revoir.